Hey, bienvenue à l'émission Dans notre coin. Salut, Jen. Salut, Sylvain, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, passez une belle semaine. Passez une très belle semaine. Je sais pas si tu as mis tes pneus d'hiver, là, mais la neige commence à tomber tranquillement. Oui, mais c'est pas moi qui s'occupe de ça. C'est pas toi qui s'occupe de ça. Ben non, c'est pas moi. Bon, ben, c'est un peu frisqué, hein? On s'en va par là. Ouais. Lentement. On s'en va par ce coin. Bientôt Noël. Bientôt Noël, ça s'en vient très rapidement. Hey, Jen, cette semaine, on parle de poutine encore. Eliette m'a fait découvrir un casse-croûte. Ouais. Un bon casse-croûte. Donc, cette semaine, on s'en va chez Joe Patate à Grenville, une institution de la région. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils sont là, toujours appréciés de leur clientèle. Oh, oh! Entreprise familiale que mes parents y ont parti en 1986. Puis avec les années, on a pris la relève tranquillement. Puis ça fait maintenant la 37e année qu'on opère le restaurant. Puis toi et ton frère, quand est-ce que vous l'avez acquéri? Ah ben depuis qu'on est jeune, on travaille là, là. Fait que ça a été graduellement. Ben regarde, la sauce, c'est une sauce que personne n'utilise. C'est un bon mix, là, vraiment. Là. Il n'y a pas personne qui a notre recette. Donc, je suis assise en avant d'une poutine de chez Joe Patate à Grenville. Une chose que j'ai remarqué, bien, premièrement, dans leur processus de fabriquer la poutine, la première chose que j'ai remarqué quand on est rentré en arrière dans la cuisine, c'était comme le nombre d'outils qu'ils ont. On était comme dans la station pour blanchir les patates. On avait aussi une station pour éplucher les patates avec une grosse machine, puis une pour couper les patates, ce qui était vraiment cool parce que j'ai comme l'impression que, en regardant en arrière, ils ont comme une quantité vraiment intense de patates. Puis j'ai été comme quand même assez impressionnée. Ça a l'air d'être vraiment comme tout un truc. Fait que Joe Patate, c'est vraiment comme une institution de la patate. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer leur poutine. Ensuite, les frites, je dois dire qu'elles sont un peu plus foncées que je les aime d'habitude. Mais je vais pas laisser ça comme trop affecter mon jugement. Je vais l'essayer en premier. Faire une belle bouchée. Fait qu'encore une fois, moi, mon critère pour une bonne poutine, j'aime ça des frites bien croustillantes. Puis je dois dire que je sais pas si c'est parce qu'on a eu, comme on a pris le temps pour prendre des images en arrière, mais je pense que les frites sont vraiment pas aussi croustillantes que je les aime d'habitude. Elles sont rendues un petit peu moelleuses. Donc pour cette fois-ci, malheureusement, j'aime vraiment par contre la shape, la texture des frites. Mais je dois leur donner un 5 parce qu'ils sont plus nécessairement aussi croustillantes que moi, je les aime d'habitude. Mais par contre, Joe avait raison. La sauce est quand même assez bonne. La texture est bonne, la consistance de la sauce est bonne. Fait que je pense que j'y donnerais un 8 sur 10 pour la sauce. Puis le fromage, comme d'habitude, il fait chouic-chouic. Puis il a eu le temps de fondre un petit peu ce que j'aime vraiment. Puis ça ramène vraiment bien, ça se rattache vraiment bien au reste de la poutine. Fait que je pense que j'y donnerais un 10 sur 10 pour le fromage. Ce que j'ai aimé quand même vraiment de mon expérience chez Joe Patate, c'était vraiment aussi juste l'expérience avec les employés, parler avec les propriétaires dans le fond. C'est une entreprise familiale qui est là depuis quand même vraiment longtemps. Puis c'est comme un must quand tu t'en vas à Grenville. C'est vraiment une institution. Puis tu ressens vraiment que les propriétaires sont attentionnés. Puis ils veulent vraiment que leurs clients aient une bonne expérience puis ils aient comme un bon moment. On se parlait tantôt avec Joe puis il nous disait que même, par exemple, le prix de toutes leurs boîtes a comme augmenté, mais ils essayent de garder les prix bas pour leurs clients parce que ils ont juste vraiment, ils ont vraiment ça à cœur. Fait que je trouve que ça vaut le détour. C'est une bonne poutine. Puis moi, je vais continuer à manger ça parce que c'est vraiment bon quand même. Donc, Joe Patate,
Oui. Belle chronique sur leur poutine. Donc, quelle note elle a obtenue, Sylvain? Elle a été très sévère avec Joe Patate. Ah, oui? 77 %. Oh! J'aurais préféré une note supérieure, mais encore là, on dit que c'est une note qui a été personnelle. Exact. C'est son critère à elle, c'est son choix à elle. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui découvre les casseroles de la région. Parce que Joe Patate, c'est quand même... Ils sont là depuis longtemps, c'est une institution à Grenville, puis dans la région aussi, c'est quand même, oui, une référence, oui, dans le coin. Oui, oui. Quand tu arrives à Grenville, tu arrives d'Hawkesbury, ben c'est la poutine de chez Joe Patate depuis tant d'années. Exact. Moi, si c'était moi, j'aurais probablement donné plus 88-89. OK. Là. Mais ça, c'est encore là, c'est moi. Oui. Tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Oui. On poursuit tout de suite avec la chronique de dressage de chien de, oui, Christelle Paré, qui va nous parler surtout de savoir choisir, oui, son chien. Tellement important parce que chaque chien a son maître et chaque chien a des besoins. Et c'est pas tous les maîtres qui peuvent assouvir les besoins de chaque race de chien. Mais c'est pas toutes les races de chiens aussi qui s'adaptent avec la personnalité, oui, de l'humain. Ça, on va découvrir ça dans la chronique de Christelle. Oh! Aujourd'hui, l'autre point que je voulais vous parler, évidemment, quand on parle d'éducation canine, on parle de choisir son chien, choisir son chiot, comment l'éduquer, comment l'encadrer. La première des choses, quand on choisit un chiot, la pire des choses à faire, c'est de choisir un chien pour son enfant. Ne pas faire ça, OK? Quand vous achetez un chien, prenez en connaissance de cause que vous allez devoir éduquer votre chien. Parce que votre enfant, c'est plate à dire, mais en général, c'est pas eux qui vont l'éduquer. Donc, c'est un travail. C'est important de vraiment, vraiment, vraiment dire oui, on achète un chien en sachant que il faut mettre des limites, l'encadrer et, encore une fois, le mot éduquer. Okay? L'autre chose, la race que vous choisissez. Comme vous avez pu voir, mes chiens, c'est des bergers australiens. On s'entend, on en voit beaucoup à Star, des bergers australiens. C'est une race qui est super populaire à Star, mais malheureusement, elle n'est pas populaire nécessairement juste pour toutes ses qualités, c'est surtout parce qu'ils sont beaux. Beaucoup de mes clients ont acheté des bergers australiens en partant parce qu'ils étaient très, très jolis avec leurs couleurs moustachées, leurs beaux petits yeux. Puis ils se font dire que c'est des chiens qui sont extrêmement brillants. True fact, c'est vrai, mais il y a d'autres caractéristiques là-dedans. Okay? Les chiens les plus populaires maintenant, c'est les chiens de berger, c'est les chiens de travail, que ce soit le berger allemand, le malinois, le berger australien, name it. Par contre, il ne faut pas mettre de côté, puis ça, c'est malheureusement, le monde, ils mettent beaucoup ça de côté, le côté travail, c'est un chien de travail, c'est un chien qui a de l'instinct. Ce n'est pas des chiens qui sont nécessairement faciles, c'est des chiens qui ont des besoins. Okay? C'est des chiens qui ont une tendance hyperactive, c'est des chiens qui sont actifs. Oui, ils sont vraiment intelligents, mais il ne faut pas oublier que l'intelligence aussi, des fois, ils peuvent nous nuire. Hein? Parce que si on en donne ça, ils en prennent ça. C'est l'enfer. Mais c'est ça. Fait qu'il faut pas choisir une race en fonction du fait qu'ils sont beaux. Il faut vraiment choisir une race en considérant, OK, il vient de où? Est-ce que c'est un bon éleveur? Est-ce que c'est un éleveur de fond de cour, entre parenthèses? Est-ce que les parents, ils ont vu des choses? Est-ce que les chiots, ils ont été bien socialisés? C'est vraiment des points importants à vérifier. Puis surtout, ne pas s'engager avec une race qui ne fit pas avec votre mode de vie. Ne pas non plus s'acheter un chien en se disant « ben c'est correct, moi j'ai besoin de sortir pour aller courir » ou peu importe. Si vous n'êtes pas comme ça dans la vie, on dit souvent « chasse le naturel et il revient au galop ». Il faut vraiment choisir une race qui fit avec vous, c'est important parce qu'après ça, c'est la relation que vous allez avoir avec votre chien que vous n'aimerez pas. Okay? Choisissez un chien en fonction de votre mode de vie, en fonction du temps que vous allez pouvoir y donner, évidemment. Parce que sinon, c'est sûr que vous allez avoir de la difficulté. Et
Petit point pour rappeler sur la capsule numéro 1, n'hésitez pas aussi à aller voir un éducateur canin si vous avez des difficultés. Lui va pouvoir vous guider, super important. Ce qui est important aussi, évidemment, une fois que vous avez votre chiot qui est tout fit, l'encadrement, OK? Encadrer un chiot, je l'ai dit un petit peu dans la capsule numéro 1, c'est important d'imposer des limites à votre jeune chien. La première des choses, pour moi, une des outils les plus importantes, c'est la cage. Je le sais que dont beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais si elle est bien introduite, le chien ne va pas mal l'associer. Ce qui est important, c'est que le chien, justement, on monte la cage comme si c'était sa maison, sa chambre. Vous avez une chambre, il a le droit d'avoir la sienne. T'sais, ce qu'on veut là-dedans, c'est ne pas lui laisser une chance de faire une connerie que vous ne pouvez pas corriger, entre parenthèses. C'est vite fait un chien, un chiot qui découvre. T'sais, un chiot peut avaler n'importe quoi. Ça coûte cher au vétérinaire, une obstruction dans bédaine. Puis vous pouvez perdre votre chiot assez facilement à cause de ça. Donc, si vous n'êtes pas là ou que vous ne pouvez pas surveiller votre chien, vous êtes mieux de le mettre dans la cage pour sa sécurité, au même principe que vous mettez un enfant dans un parc quand il commence à ramper, quand vous ne pouvez pas le checker. Mais évidemment, encore là, ça va être de vérifier avec votre éducateur canin comment bien introduire la cage, comment bien introduire justement les outils pour bien encadrer votre chiot et bien le guider. Parce que si vous guidez votre chiot correctement, ça va être super facile. Parce que l'éducation d'un chien, on dit, c'est un an d'intensité. Pour après ça, 12 ans d'entretien, vous avez du fun avec votre chien. Fait que c'est vraiment la première année là, qu'on met un gros boost. Puis après ça, bien, vous allez avoir une relation de rêve avec votre chien. Puis vous n'allez pas trop vous casser la tête. Je ne vous dis pas que c'est pas toujours difficile, hein? Ça reste des animaux. Mais si vous mettez un boost, par exemple, vous allez avoir du fun. Hein? De retour. Donc, maintenant, on se dirige vers le CrossFit, Sylvain. Ouais. CrossFit APX qui nous reçoit encore cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux cette semaine, ben, Sylvain? Tu sais que j'ai été initié au CrossFit par mon beau-frère. Oui, ouais. Un adepte. Un adepte de CrossFit qui m'a initié une fois de temps en temps à y aller. Donc, j'ai vraiment y été une fois de temps en temps. OK. Puis, ben, on va découvrir ensemble le sujet de la semaine. C'est pas toi l'athlète, là. C'est pas moi l'athlète, non. Okay. J'aurais aimé ça le faire. J'étais pas disponible cette journée-là. Ben non. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans le gym. On va prendre quelques instants pour parler avec quelques-uns de nos membres qui vont partager leur expérience d'entraînement chez CrossFit APX. Donc, ce soir, je suis avec Marc Pellerin, un de nos membres. Marc fait du CrossFit depuis bientôt un an. Marc, j'aimerais ça que tu expliques à tout le monde pourquoi est-ce que tu as décidé de commencer à faire CrossFit. OK, je me suis fait tirer les oreilles par un collègue de travail. Et puis, il savait que j'avais déjà joué au football. Puis il dit, Marc, tu vas aimer ça parce que c'est un entraînement structuré. C'est pas comme un gym ordinaire. Le monde se promène pas avec le téléphone. Puis il dit, garde, viens, on va faire un tour. Puis finalement, j'ai décidé de venir une fois. Puis j'étais en très mauvaise condition physique. Mais j'ai pris l'engagement de venir ici 3-4 fois par semaine. Au bout de 3 mois, il y a eu des résultats flagrants. Puis, overall, le CrossFit, pour avoir des résultats rapides, sérieux, il faut que tu t'engages. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui s'approchait le plus du football, avec une structure disciplinée comme ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux gens à la maison qui aimeraient essayer, mais qui sont pas capables de faire le pas, qui hésitent encore? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour les convaincre de venir essayer le CrossFit? Que tu peux vraiment venir t'entraîner au CrossFit en étant à l'écoute de toi-même. Puis c'est un moyen super équilibré pour pas perdre son temps et avoir des résultats concrets dans un temps relativement court, en mettant les efforts, bien entendu. Ça serait la principale raison de dire, sors de chez vous,
essaye un centre, t'aimes pas ça, va à un autre centre, t'aimes pas ça, dans tu vas trouver la bonne formule. Puis qu'est-ce qui a fait, toi, dans ton cas, pourquoi est-ce que tu nous as choisi, nous, CrossFit APX, pour ton entraînement? L'atmosphère familiale qu'il y a ici à la chute, c'est ce qui était le point dominant du fait que j'ai poursuivi. Exactement. Merci, Marc. Je suis avec Élodie. Élodie, ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit? Je pense que ça fait peut-être 2 ans. Non, avant la COVID, fait 2019, 4 ans. Mais je viens pas souvent. Combien de fois tu viens par semaine environ? J'essaie de venir une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a décidé de venir essayer le CrossFit? C'est quand tu t'es dit « Ah, je vais essayer ça ». J'en avais entendu parler par Manon. Il y avait l'essai gratuit, donc ça, tu sais, dans le fond, tu perds rien à l'essayer quand tu viens pour l'essai gratuit. Puis j'avais aimé ça, fait que j'avais pris un petit bundle de 10 cours. Puis je viens un peu comme quand ça me tente, là. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont sur le bord de venir essayer, mais qui sont tout le temps comme pas certains de vouloir venir? Peut-être que certains gens sont réticents et disent souvent qu'ils sont pas assez en forme, qu'ils vont aller au gym avant. Est-ce que tu aurais un message pour ces gens-là à la maison? Bien, c'est sûr que si on ne vient pas l'essayer, on ne peut pas savoir c'est quoi l'expérience de venir le vivre. Puis moi, dans le fond, ce que j'aime, c'est que tout est adaptable. Fait que je sais que moi, je suis un peu moins forte ou moins habituée que les autres. Mais je viens, puis j'essaie des affaires, puis on me donne des modifications, dans le fond, au mouvement. Puis c'est comme ça que j'arrive à m'améliorer. Puis à chaque semaine, il y a une amélioration. Puis à chaque semaine, je m'améliore, puis je deviens plus forte. Puis qu'est-ce qui te fait continuer avec nous, CrossFit APX? Je sais pas, c'est le fun, l'ambiance. C'est différent de... Parce que moi, avant, je m'entraînais toute seule chez nous. Puis là, c'est juste le fait de... À la fin, quand tu finis un workout, t'es fier de toi. Puis les gens, ils viennent te féliciter. « Oh, bravo! » Puis ça, c'est quelque chose que t'as pas chez toi quand t'es toute seule. Donc, je suis avec Vicky. Vicky, ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit? Ça fait environ 10 ans. 10 ans, donc ouais. Vicky est un athlète un peu plus expérimenté que la moyenne. Vicky, est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient venir essayer le CrossFit? De ne pas avoir peur d'essayer, parce que c'est vraiment un beau sport. De s'écouter, parce que ça reste un sport quand même exigeant. Ça reste un sport qu'on n'est pas nécessairement habitué de travailler autant le cardio que musculaire. Fait que d'y aller à son rythme, mais au moins d'essayer. Puis qu'est-ce qui a fait dans ton cas de poursuivre ce sport-là pendant 10 ans? C'est sûr, première chose, c'est la communauté. C'est toutes les amies que je me suis faites à travers ces 10 ans-là. C'est toutes mes amies les plus proches, c'est grâce au CrossFit. Fait que je dirais ça. Puis aussi, c'est sûr, pour la forme, ça reste que c'est un sport qui est toujours en dépassement. Tu surpasses à tous les workouts. Tu peux te fixer des objectifs constants. Je dirais pour toutes ces raisons. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as choisi CrossFit APX pour tes entraînements? Pour la communauté. Ça, c'est inévitable. Donc, à la maison, si vous voulez rencontrer cette communauté-là, faire partie de notre famille chez CrossFit APX, gênez-vous pas, puis bookez votre essai gratuit le plus rapidement possible. Merci, Vicky. Ça fait plaisir. Hey, on est de retour. CrossFit, c'est comme ça donne le goût d'y aller. Ça donne chaud, en tout cas. Ça donne le goût d'y aller. Si vous n'avez pas quoi donner à Noël, un abonnement à CrossFit, on a toujours des bonnes intentions en début janvier qui abandonnent au mois de février. Donc, donner juste un mois en cadeau, ça va régler l'affaire. Non, mais il faut persister. C'est super agréable, le CrossFit. Oui. Tu sais, c'est beaucoup dans le dépassement de soi. On n'est pas en compétition avec personne. Hein. On est en compétition avec soi-même. C'est toujours de se dépasser. Puis de sortir d'aller de sa un zone peu, de confort puis de se découvrir aussi. On se découvre là-dedans. Puis là, tu nous fais découvrir la Floride. Là, je me fais découvrir. Parce que moi, j'aime bien la Floride. J'en ai parlé dernièrement. Mm-hmm. Mais j'y ai retourné il y a un an. Non, en fait, la même année que la pandémie, juste avant que tout casse. OK. J'avais été en Floride, mais j'avais pas visité des endroits plus touristiques ou des endroits moins connus. Là, cette semaine, je vous fais découvrir les Everglades. Oh, c'est quoi ça? Les Everglades. Je te l'ai expliqué un peu tantôt, c'était quoi?
C'est un endroit qui est protégé. Ça a plusieurs centaines de kilomètres de long et de large pour abriter des animaux aquatiques, des animaux terrestres, dont des oiseaux, des crocodiles surtout. Puis on se promène, il y a des sentiers. Oui, on se promène là-dedans. Fait que je vous fais découvrir ça, vous allez voir, c'est assez impressionnant de voir un crocodile qu'on nage après le bateau. Effectivement, on s'en va voir ça. Oh, oh! Cette semaine, je vous emmène dans les Everglades de Floride. Les Everglades sont un écosystème unique et précieux situé dans le sud de la Floride. Cette vaste zone de marais subtropicale est souvent surnommée la rivière d'herbe en raison de ses eaux peu profondes qui s'étendent sur plus de 2000 km². Alors, c'est à bord d'un aéroglisseur que nous ferons cette visite. Il nous faudra prévoir environ 90 minutes pour faire le tour. Everglades abrite une incroyable variété de faune et de flore, y compris des alligators, des oiseaux migrateurs, des orchidées rares et bien plus encore. L'un des aspects les plus remarquables des Everglades est le rôle vital qu'ils jouent dans la préservation de la biodiversité. Ils sont le foyer de nombreuses espèces menacées, notamment la panthère de Floride et la grue Antigone. De plus, cet écosystème agit comme une éponge naturelle, aidant à prévenir les inondations et à filtrer l'eau qui se déplace à travers la région. Cependant, les Everglades sont confrontés à des défis importants, notamment la perte d'habitat due au développement urbain et à la pollution. Les efforts de conservation sont essentiels pour préserver ce trésor naturel pour les générations futures. Les Everglades de Floride sont un exemple exceptionnel de la beauté de la nature et de l'importance de la préservation de nos écosystèmes fragiles. Les Everglades de Floride couvrent une superficie d'environ 2000 à 2500 km². Les Everglades sont célèbres pour leur population d'alligators américains qui sont des reptiles emblématiques de la région. Ce n'est pas rare que les alligators attendent leur repas directement auprès des pêcheurs, comme celui-ci. Retour.
Tu as vu dans l'extrait, le gars, il pêche sur le bord du quai, il pêche le poisson, il ramène le poisson, puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait voler sa prise par le crocodile qui est là. Pas trop stressé de ça. Pas trop stressé, vague à ses occupations. Moi, je pense que j'aurais juste plus de ligne à pêche, j'aurais tout lâché, je serais parti en courant. Je sais pas, pas en tout. Moi, j'ai juste peur des fois de me retrouver qu'il y en ait un sur le terrain. Moi, là, je cours pas vite. Je cours peut-être plus vite que moi. Ouais, c'est ça me tente pas de me faire poursuivre par ça. Non, moi non plus, j'aurais pas le goût. Ouais. Fait que ça, c'est un coin qui est connu un peu des touristes, mais pas tant que ça. Okay. C'est vraiment comme les gens. Les Québécois, on dirait quand on va en Floride, on se tient toujours à la même place. La plage. Moi, ouais, puis c'est ça que je voulais pas nécessairement. Je voulais faire découvrir au monde des affaires que. Ouais. Non, c'est super intéressant. Justement, on peut découvrir des petits coins qu'on connaissait pas, que les gens n'ont pas l'habitude d'aller. C'est vraiment le fun de redécouvrir pour les adeptes de la Floride des nouveaux coins. Donc, c'est ce qui m'a fait cette semaine à notre émission. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec des nouvelles chroniques.